constitution, n'a pris le pouvoir, n'a rétabli l'ordre, n'a fait sécurité pour mon travail, pour mon l'école, pour que y a capable de fonctionner normalement. Et m'a précisé, sénateur Guy Philippe, dans la zone balle, l'a mobilisé. Nous sommes parlé avant conférence, nous parlé hier soir, et m'a dit pour vous, 11 août là, c'est une dans qui mettez. Ok? Pas de division, nous soudons plus que jamais. Pas de division, nous soudons plus que jamais. La date de 8 août est proposée par le sénateur Guy Philippe. Nous songeons, ici à même, dans une conférence de presse, équipe qui a piloté réveil, nous avons annoncé, nous prenons décision pour nous lancer en période de concertation, en période de discussion, en période de négociation. Parce que nous te rendons compte. Pourquoi nous pas qu'à mener une grosse bataille ça? Il y a l'autre gros acteur qui est souterrain, qui a mené le même combat, qui a baillé le même discours, nous te dit, faut que nous cherchions pour nous faire un front commun, pour nous faire une opposition plurielle, pour nous affronter, pour lever cette tête-là. Je dis à nous venons dire à la population, mais opposition plurielle. On l'autre fois demandé un grand applaudissement pour l'idée de ce présent là. Un gros dépassement de soi. Qui mettait de côté Chapelle Payou? Qui mettait de côté ti organisation yo, même j'en nous même nous mettez de côté ti organisation pas nous pour nous doter pays à de opposition plurielle côté que plusieurs monde qui là pour prendre la parole pour défendre pays. Nous connaissons dans qui ça Haïti aujourd'hui, nous tout a souffri pendant que un groupe qui a joué. Est-ce que nous comprenons aujourd'hui, monsieur, pour un monde qui dit que c'est président, qui voyage l'aller dans l'international, qui déclare tout bagaille a passé correctement, qui déclare que le pays a fonctionné normalement. Est-ce que nous avons accepté ça? Est-ce qu'il peut accepter ça? Je dis à nous qui soi-disant représentent nous, qui baillent tête au nom président, nous, ouais, dans qui scandale, ils ont tombé. Problème pays à pas jamais posé. Problème sécurité à pas jamais posé. Problème grand goût, pas jamais posé. Problème petit monde qui va à l'école, pas jamais posé. Mais problème qu'a posé, c'est problème sans. Problème qu'a posé, c'est problème. Problème qu'a posé, c'est problème. Nous d'accord? Non. Moun sa yo, yo te pren engagement. Yo di, y a rétabli l'ordre. Y a mette sécurité. Y a fait élection. Je dis à nous d'accord que yo passé à côté mission yo. Yo fait nous l'aide aux yeux du monde entier. Dans toute histoire du monde, c'est première fois de manière publique de monde qui dit au président trouvé yo non circonstance comme ça et yo pas même bien décence pour yo démissionner. Nous venons dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter bêtises à continuer à faire dans le pays d'Haïti. Nous venons dire pays ça, des garçons et femmes vaillants, conséquents, qui ont dirigé. Et nous par exemple. Nous venons dire que pays a fatigué avec nous. Nous bouquons avec nous.
trop spectacle de bêtises, trop désordre, trop sitirance, nous venons dire, s'il vous plaît, pas de boudal. Monsieur, dame, cette tête nous réveille là, à tout groupe politique qui l'a eu, bloc des avocats engagés, Moléder, Front Uni, comme si c'était ça, ou seulement nous demander au nom de l'opposition plurielle là, pour nous retirer le corps côté Yoïa. Yo pas pitié le pays a rien. Pays a son troisième catastrophe. 12 janvier, pour nous avons un tremblement de terre. Dans la période d'insécurité, ça, c'est plus que un goudou qui passe sous le pays. Et je dis, pour les sept têtes là, passe goudou balle sous l'administration publique. Comme M. Caleb te répète. Et je dis, ma préprenie, monsieur Dame Sayo, bientôt n'a retrouvé nous devant la justice. Bientôt n'a retrouvé nous dans le paquet. Parce que ce n'est pas tout le temps, c'est nous qui avons là pour faire le peuple passer misère. Dans ce sens, nous tous connaissons, nous avons lancé l'opération Garçon pas campé, qui t'a pris officiellement prend la rue. Le 8 août 2024, la presse était au courant. Nous avons annoncé 8 août 2024. Mais je dis, nous pas de 14 8 août, nous obligés de venir pour nous présenter à la nation, ensemble acteurs saillants, ensemble personnalités saillants qui engagent la bataille avec nous. Nous arrivons, nous joignons. Association élève l'école yo écrit nous officiellement yo dit nous 8 août là c'est dernier jour examen officiel yo yo mandé nous un report et nous pas choisi agir même Jean ak l'autre yo qui fait des ordres craser pays bouler pays nous tendez cri élève yo pas dans examen philo. Pour raison ça, journée de lever campé général là, qui doit aboutir avec opération libérer Haïti, ma préprend, journée de lever campé général là, lui reporté pour dimanche 11 août 2024. Dimanche 11 août 2024, pays a levé campé, avocat a levé campé. Militants politiques yo a levé campé, femmes yo a levé campé, pays a levé campé. Dans tout département yo. Pour nous dire à bas ou lève cette tête, à bas corruption, à bas braque, à bas bandit. Pour nous dire vive Haïti. Monsieur Gamfondino, m'a profité pour nous faire un appel à tout le monde qui n'a pas politique.